Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne des Crispations. Alors, je voulais vous montrer le petit tuto pour les mini-enveloppes. Voilà. Pour le concours, enfin le concours, le défi. Voilà, défi, concours, c'est pareil pour moi. Voilà. Donc déjà, moi j'ai des dies que j'avais trouvé chez Temu, je crois. Des dies enveloppes, voilà. C'est super bien, super facile. Il y en a une plus grosse et une plus petite. Donc, elles mesurent 4 cm et 5. Donc, c'est vraiment des petites. Voilà, j'ai fait des découpes. J'ai pris des roses et blanches. Mais je vais vous montrer quand vous n'avez pas de découpe. Hein, surtout pour celles qui n'ont pas de découpe. Donc, voilà. Alors, je vais déjà prendre un petit papier de 6 cm sur 6, hein, vous pouvez faire la taille que vous voulez, 5 sur 5, les petites c'est 4 sur 4, 5 sur 5 et 6, là j'ai fait 6 sur 6, voilà. Donc j'ai pris un papier qui traîne, hein, des chutes, hein, vous prenez des chutes, ici donc je vais faire une croix au milieu, comme ça je sais où il faut croiser les pointes. Voilà. Donc je fais une petite croix. Ensuite, les côtés, je viens les mettre sur la pointe même. Mon papier est bien épais, donc j'écrase. Donc je fais déjà les deux côtés. Voilà. Comme ça. Voilà. Là, on a déjà le haut de l'enveloppe. Et on va ici prendre le bas. Donc pour le bas, on vient juste un peu plus plié comme ça. Voilà. Donc on laisse quoi 5 mm qu'on peut laisser en bas. Après vous faites comme vous voulez. Hein. Voilà, si vous savez en faire, vous le faites. Et au milieu, on vient couper. Hop, comme ceci pour faire une enveloppe. Voilà, si ça va pas trop, on recoupe un peu. Voilà. Voilà, vous voyez, j'ai déjà mon enveloppe de fête. J'arrondis le coin en haut, même si des fois on ne voit plus, mais j'aime bien l'arrondir. Voilà. Et je colle juste. Non, je la réouvre. Parce que comme elle est épaisse, il y a deux petits coins là que je peux enlever. Voilà. Vous voyez, ce petit coin là. On l'enlève. Voilà, ça sera mieux pour le pliage. Voilà, ça se plie mieux et puis pour le coller, c'est impeccable. Donc là, je viens coller juste sur les bords comme ça. Hop, et on replie notre enveloppe. On met des petites pinces le temps que ça sèche, un petit coup. Et voilà, votre enveloppe est finie, vous voyez. C'est tout simple. Il n'y a pas besoin de dies, mais bon, je les ai. Alors voilà, je les ai faits. Je vais en faire deux comme ça, donc j'en avais déjà fait une là. Hop, voilà. Hop, j'en fais deux comme ça avec des couleurs. Et je vais en faire des roses. Alors, peut-être cette taille-là. Vous voyez, il y a juste à plier pour faire ma petite enveloppe et mettre de la colle sur les côtés. Voilà. Je vais déjà. Hop, oui, la petite enveloppe est faite. Alors, je vais en faire deux roses comme ça et deux comme ça. Je vais en faire quatre. Je prends un papier de fond. Donc moi, comme elles sont assez claires, voilà. Je vais en mettre une petite, la petite à côté et la une grosse comme ça. Voilà. Et maintenant, on va les décorer donc, ensemble hein, pour vous montrer. Donc, je vais déjà faire ces deux-là. Donc, j'ai déjà prédécoupé un peu du feuillage. Voilà, j'aime bien le feuillage dans les mini-enveloppes. Ça fait du volume. Hein, ça, c'est vraiment bien. Et puis, là, j'avais un dies que j'ai essayé. Et puis, c'est des petits... je sais pas si vous voyez bien. Des petites choses de jardinage. Voilà. Des petits arrosoirs, des petits gants.
des petites pelles, des petits trucs comme ça. Oui. Alors je vais les mettre sur mes petites enveloppes, ça fera le thème jardin. Voilà. Je pense que c'est sympa. Donc, comme mes petites découpes sont vertes, je pensais mettre du noir. Donc des petits feuillages noirs. Je trouve que c'est joli. Ou blanc. Hein. Et blanc. On peut mettre les deux même. Un peu de feuillage qui dépasse. Voilà. Comme ça, par exemple. C'est bien que ça dépasse, ça fait du volume. Donc, je vais déjà coller un peu le noir. Hop. Ça. Et le petit blanc, je vais mettre un autre. C'est bon, j'ai une feuille blanche comme ça. Exemple, hein, on peut enfiler plus. Il faut que ça dépasse un petit peu, ça fait joli. Là, moi, je mets pas trop du feuillage. Quoique, je vais mettre une petite lettre dedans. Donc, si je vais quand même remettre un peu de noir, un peu plus haut. Voilà, comme ça. Et dedans, je vais mettre, par exemple, là, j'ai un petit bout qui reste avec de l'écriture. Hop, je vais le mettre dedans. Voilà, comme si c'était une petite carte. Et je mets un petit peu de colle derrière. Voilà, ça fait comme s'il y a une petite carte qui dépasse. Avec un petit coquelicot. Voilà, pour l'instant. Et ensuite, je peux décorer en bas. Donc en bas, je voulais mettre quelque chose de jardin, par exemple. Je sais pas si ça va aller en fait. Hein. Jardinage. On peut mettre. Ouais. Du coup, ça va pas trop. Un petit gant. J'ai pas de sentiment aussi pour le jardinage. Donc, je sais pas trop si ça va le faire. Non, je vais laisser tomber. J'ai des petites choses, petites coccinelles, mais elles sont vertes. En fait, ça va pas. Non, je vais laisser tomber ça. Je vais essayer de chercher autre chose. J'ai ma petite boîte de deux petites découpes qui me restent un petit peu de tout. Voilà. Donc, je vais farfouiller là-dedans. J'avais fait mes petites fleurs comme ça, c'est trop gros. On peut mettre des petits strass. Là, j'ai une libellule, mais elle est rose. Petite fleur rouge, oui, ça ira avec le coquelicot. Voilà, par exemple. Et je peux mettre un petit strass ou quelque chose. Ça j'ai je crois que c'est Action. On met un petit strass dessus. Je rajoute toujours un petit point de colle. Voilà. Oui. Après, on peut rajouter quelque chose. J'aimerais rajouter un petit papillon ou quelque chose. J'en ai en plus des petits papillons. J'ai un petit oiseau là, vous voyez, en découpe avec les perforatrices. Voilà, comme si elle envoyait un message, c'est beau. C'est elle qui envoie le courrier. Voilà. Voilà une petite enveloppe qui est bien décorée. Hein. Je pense que ça vous plaît ou pas. Et je vais continuer avec l'autre. Donc je vais éviter le noir peut-être là. Je sais pas. Alors je vais peut-être mettre du vert pour voir. Donc là j'ai fait plein de découpes. Voilà, je vais mettre du feuillage
vert. Donc, un petit peu de colle. Voilà. C'est pas mal. On va rester dans le vert. J'ai celle-ci là que j'aime bien, ça fait un petit peu fougère. C'est un dice que j'ai. Je vais le mettre aussi, ça va fournir un peu. Hop. Voilà, ça fournit un petit peu plus. Et ensuite, je vais mettre. Là, j'ai un bout de page. On va essayer de l'enfiler comme si c'était une lettre. Alors, faut que ça colle. On va la recouper. Et on file dedans. Voilà, ça fait comme une petite lettre. Voilà, donc là c'est bien, j'ai du vert, donc ça ira mieux pour faire, pour mettre quelque chose. Une plante en pot, non, c'est un peu gros. Moi je pense les petits outils, hein. Ça me paraît bien. Jardinage, on pourrait mettre le gant. J'aurais aimé mettre des sentiments, mais je sais pas encore trop quoi mettre. Alors je vais mettre le gant, il est sympa. Le gant de jardinage, et il faudrait que je. Alors je retrouve. Je vais chercher mes petits mots. Alors. J'ai retrouvé mes petits mots, c'était des choses que j'ai fait sur imprimante, voilà. C'est marqué au balcon. Alors ça peut être sympa. Au balcon. Donc je vais le coller sur le petit papier qui ressortirait. Peut-être du vert. On va rester dans les tons. Un petit mot avec, c'est sympa de mettre un petit sentiment, ça fait beaucoup. On peut le mettre aussi en 3D. J'ai pas ce qu'il faut, alors moi je vais le coller directement, ou alors je remets sur un carton. Oh, je vais le laisser comme ça. Voilà. Après, on peut rajouter un peu de dentelle ou. Oui, peut-être un peu de volume qui me manque. J'ai une petite dentelle ici. Je vais essayer de la mettre en dessous. Ce sera plus joli. Voilà, un petit bout de dentelle, pourquoi pas, qui passe. Ça fait du volume. Oh, c'est pas mal. Voilà, je la trouve sympa. Donc celle-là, elle ira ici. Donc, quoi que je vais prendre un papier clair. Plutôt. Alors, un papier rose ou vert. Pourquoi pas. Non, pas vert. Je vais couper un bout. Je sais pas. Je vais mettre dans un papier. Quoi. Alors, je vais couper au pif. Hein. J'ai coupé 14,5 sur 10. Comme une carte, quoi, presque. Voilà. On va le mettre quand même là-dessus.
Et il faut du double face pour le mettre. Qu'on puisse le réutiliser. Voilà. Hop. La petite aussi. On la met à côté. Ça ressort pas trop le rose sur rose, mais bon. Voilà. Puis après, je fais mes deux là. Donc, je pense que je vais les faire avec vous aussi. Voilà, j'enlève mes pinces. Voilà, et là, je vais faire le contraire. Je vais faire comme ça. Voilà, la grosse là et la petite là. Voilà, et vous avez un joli embellissement à m'envoyer. Voilà, vous voyez, c'est simple. Il suffit un peu d'imagination, de création, de ce que vous avez. Hein, cherchez pas trop loin, c'est pas la peine. Vous faites avec les moyens du bord. Là, l'autre fois. Alors, j'étais sur le parking des courses et j'ai devant ma voiture un grand ruban comme ceci. Vous savez, c'est quelqu'un qui a dû le perdre pendant un mariage. Et ben, je l'ai récupéré. J'ai dit, mince, au moins, au lieu que ça pollue le parking, et ben, je vais le récupérer. Et puis voilà, ben, voilà avec ça, ben, je vais faire des jolies choses. On peut faire plein de choses. Chouche. Voilà, par exemple, on plie un petit peu, puis ça va faire du volume dans mes enveloppes, vous voyez. Hop. Puis avec la colle qu'on va mettre dessus, voilà, ben celui-là, je vais mettre ça. Et la colle, elle tiendra le tout, donc je vais laisser comme ça, voilà, que ça ressorte un petit peu. Et puis je vais mettre donc dans celle-là, on va rester dans le vert. Hop. Voilà, puis la colle qu'on met dessus, ben, ça va tenir. Ça, on va le couper quand même. Je vais remettre ouais, ma petite fougère là, je l'aime beaucoup. J'aurais dû la mettre de côté. La colle, et hop. Voilà, ça fait du volume, un petit peu de comment ça s'appelle, du tulle. Voilà, et peut-être celle-là aussi. Voilà. Je vais mettre comme un papier dedans. On coupe bien droit. Hop. Lettre. Donc tout sèche. Voilà, sympa, hein? Vous voyez comme ça fait joli? En mettant un peu dépassé des petites choses, la petite tulle, la dentelle. Voilà, je trouve ça génial. Voilà, ici, je vais essayer de trouver. Là, j'ai encore un petit gant. J'ai un petit pot de fleurs. Bon, c'est un petit peu gros, mais... Est-ce que ça irait? Je sais pas trop. Là, j'ai un pot vide. C'est bien aussi. Ensuite, on va remettre une petite
Bêche là, pourquoi? Voilà, et je vais remettre un petit sentiment, ça sera chouette. Alors, patience, patience, méditer, téléphoner, communiquer. Alors, se concentrer, positif, réunion virtuelle, apéro, 100% fait main. Oui, on peut faire ça, faire avec les moyens du bord. Faire des masques, générosité, solidarité, rester unis face aux défis, ou l'isolement, devenir. C'était pendant le Covid, là. Parce qu'il y a tous des trucs, voilà. Se concentrer sur le positif. À 20h, réunion virtuelle, apéro. Vous vous rappelez de ça? Non, vaut mieux pas s'en rappeler, hein. Un peu d'humour, lâcher prise. On va mettre lâcher prise. C'est pas mal. C'est vrai qu'il faut lâcher prise. C'est ce que j'essaye de faire. Alors, lâcher prise. Allez! Enfin, voilà, ça vous donne un aperçu de ce qu'on peut faire. Alors, là, je vais peut-être mettre sur du rose parce que c'est pas le même rose aussi. Alors. Est-ce qu'on peut mettre là-dessus? On va essayer. Voilà, lâcher prise. Il y en a qui jardinent pour lâcher prise. Donc c'est pas mal aussi. Ils sont tout petits, ces mots. Mais ça va bien pour les mini-enveloppes. Et moi, je vais mal couper. On peut en créer aussi. Enfin, on peut faire du mix média. On peut faire vraiment de tout. Hein. Voilà, votre papier, il peut être aussi le fond. Il peut être travaillé et tout. Hein. Voilà, la troisième enveloppe. Lâcher prise, c'est sympa. Elle va aller ici. Voilà, c'est thème jardin, quoi. Ouais, c'est pas mal. Et la petite rose encore. Je vais rester dans les tons verts parce que c'est pas. Si, c'est joli, mais je sais pas. Ouf, si, on va faire un peu pareil parce que ça va pas trop bien. Allez, on va faire celui-là. Dedans. Voilà, donc avec toutes les idées qu'on a, je suis sûre que vous en avez. Et bien, il n'y a plus qu'à. Un petit peu de noir, ça ressort. Voilà, on va faire pareil que l'autre, un peu de blanc. Par-dessus. Voilà, pour que ça ressemble un peu à l'autre. Bon, ce qu'il y a à l'intérieur, par contre, j'ai des petits mots là. Oh, ça ira bien, tiens. Voilà, j'ai un petit mot qui traîne là. Sur un bout de papier. Si vous avez vu, j'ai rangé mon bureau un petit peu parce que j'ai vu la vidéo hier, je me suis dit oula, là j'ai du rangement à faire, tout était l'un sur l'autre. Alors j'ai dit il faut que je range un peu, donc c'est ce que j'ai fait ce matin. Cultiver le bonheur, ça va super bien. Je vais le mettre que comme ça. Cultiver, ça va avec le jardin. Voilà. Sympa. Cultiver le bonheur. Moment précieux, l'autre. Voilà.
Donc ça dépasse un tout petit peu. C'est pas bien grand, ça dépasse. Voilà. Et là, on pourra mettre un petit. Oh, est-ce que je mets du vert? Ça m'embête de mettre du vert. Alors, non, on va mettre. Je vais essayer de trouver autre chose. Là. Une ours, non. Une fleur. Là, j'ai une petite libellule. Bon, un autre oiseau. Libellule, fleur. Ouais. Voilà, on va faire ça. Voilà, donc avec les chutes, j'ai fait des petites perforatrices aussi. Je vais mettre un petit strass comme l'autre, c'est là. Ça, je vais une petite demi-perle plutôt. Oui, mon strass, c'est pareil. Pour moi, des demi-perles, c'est des strass. Voilà, la demi-perle. Cultiver le bonheur. Voilà la quatrième enveloppe. Hop, que je vais mettre ici. Sur la quatrième. Et donc, ce petit lot de cartes. Sera pour la gagnante du concours. Elle sera dans le lot. Voilà, elle aura aussi ses petites enveloppes. Voilà, superbe. Voilà, donc pour la gagnante aussi. En plus d'autres cadeaux, hein, bien sûr. Mais elle aura ses quatre petites enveloppes fait maison. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et que, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas pour le concours. Et puis, eh bien, j'espère que vous serez assez nombreuses pour en faire, hein, pour me faire ces quatre petites enveloppes. Et voilà, pour, par exemple, vos petites chutes, là, vos restes, vous les mettez dans une autre enveloppe, avec un carton d'ATC, par exemple, la taille de l'ATC ou de l'AT-stamp. Et hop, moi, avec le reste, eh ben, je fais... une petite composition, voilà. Si vous avez un petit sentiment, c'est bien aussi, ça, je trouve ça rend bien. Vous voyez, un petit bout de tulle, un petit bout de chiffon, de tissu. Puis hop, ça y est, le tour est joué. Vous voyez, c'est super chouette. Et là, vous pouvez les utiliser dans n'importe quoi. Enfin bon, c'est thème jardinage, mais ceux-là, vous pouvez les utiliser n'importe dans un album, sur une carte. Faire une carte avec ça va super bien, faire une ATC, donc voilà. Après, pour celles qui peuvent pas trop, c'est trop petit pour elles, elles peuvent faire un peu plus gros, hein. Voilà, il n'y a pas de taille spéciale, voilà, c'est comme vous vous sentez, comme vous voulez, le thème que vous voulez, les couleurs que vous voulez, voilà. Moi, je m'en fiche, voilà, j'aime tout, moi c'est vrai, j'aime tout. J'aime beaucoup, beaucoup de choses en scrap et voilà, tout ce qu'on fait, j'aime quand c'est de la créativité. Après, si vous avez des idées, encore mieux, voilà. C'est parfait, voilà. Quelques découpes, quelques petits papiers, des petits mots, deux strass, et hop, ça y est, le tour est joué. Je vais rajouter un strass peut-être sur chacun. Voilà, et puis je vais le finir et puis... je vais le mettre dans une petite pochette transparente. Voilà, et ça fait un joli, joli cadeau pour le lot. Voilà, merci d'avoir pensé au petit pouce. Hein, ça fait tourner la vidéo. Merci beaucoup et j'espère que ça vous a plu. Voilà, gros bisous à toutes. Au revoir.